Vous êtes sur iTélé, voici Afrique et merci de nous regarder. Au sommaire de ce numéro de la rentrée, les savants et inventeurs noirs du 19e siècle, à l'initiative de l'association Archives d'Ivan Voice et Olivier Birnard, une exposition sur les inventeurs noirs américains du 19e siècle se prépare dans une école de Saint-Denis en région parisienne. Une occasion pour iAfrique de vous proposer un sujet inédit sur ces génies que l'histoire n'a pas retenu. Pourtant, beaucoup d'entre eux sont à l'origine ou ont participé à des découvertes scientifiques et techniques fondamentales. Thomas Raguet et Jacques Imbert. Lorsque l'on parle de l'inventeur de l'ampoule, on fait le plus souvent allusion à Thomas Edison. Pourtant, cette trouvaille n'aurait pas vu le jour sans cet homme, Howard Lewis Latimer, un noir américain né à Chelsea, un fils d'esclave qui en 1882 découvre le filament de carbone. Associé à Edison, Latimer contribua à la réalisation de l'ampoule que nous connaissons aujourd'hui. À cette époque, le monde scientifique n'était pas tout blanc. L'interrupteur de lumière que tout le monde a chez soi a été inventé donc par un monsieur qui s'appelle Granville Théwood. On peut parler aussi de l'invention du feu tricolore qui a été inventé par Garrett Morgan. On peut prendre aussi Charles Drew qui est le père de la transfusion sanguine. Et pourtant il faut savoir qu'il n'a jamais pu enseigner à une école, dans une école où il y avait des blancs. Dans l'histoire des génies de la science, celle des inventeurs noirs demeure un sujet tabou dans nos livres d'école. Une réalité qui fait bondir Barsha Bauer, producteur d'un documentaire sur ces savants volontairement oublié par les historiens. Ce désavantage est inadmissible dans notre société qu'on privilégie une communauté de scientifiques par rapport à une autre communauté qui n'a pas forcément la même histoire et qui a fait des inventions qui sont marquantes pour notre société et qu'il faut les faire connaître. La démarche aujourd'hui doit être une démarche scientifique. Parce que de toute façon, il n'y a pas de race supérieure et de race inférieure. Quand vous mettez sur les murs d'un établissement scolaire que tous les plus grands hommes de l'histoire de l'humanité sont tous blancs, vous avez agressé l'intelligence de l'arabe, vous avez agressé l'intelligence du chinois, vous avez agressé l'intelligence du noir. Et je pense qu'il faut aujourd'hui mettre un terme à ce genre de choses, parce qu'on se retrouve devant une jeunesse qui est complètement marginalisée et qui se réfugie dans la violence. L'artiste guadeloupéen Ivan Voice de l'association Archives rend hommage aux inventeurs noirs oubliés. Avec sa chanson « On nous doit la vérité », il voudrait bien mettre fin aux clichés raciaux. Ça nous a permis un petit peu d'une façon ludique de pouvoir généraliser, informer, vulgariser le plus possible aux Antilles, puisque le clip est visionné aux Antilles. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les jeunes sont très 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 contents de cette initiative. Ni on l'autre comme ça, mais qui t'es fait l'histoire, mais l'histoire est facile. Assis dans l'école, c'était Napoléon, Gaulois et puis Colombe, nous toujours capotés, on nous doit la vérité. Lorsque Archives avait commencé il y a déjà quelques années, à faire des recherches concernant donc tout l'apport des Africains-Américains ou Africains-Caribéens pour l'évolution du monde au 19e et 20e siècle, on a constaté qu'en France, dans les programmes scolaires, dans les livres scolaires, il n'y avait absolument rien qui pouvait s'y rapporter. Alors c'est à partir de là qu'on a constaté qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas et que lorsqu'on a été justement en lien avec des sites américains et des frères des États-Unis qui justement renferme un paquet d'informations, un foisonnement de personnages, inventeurs et savants noirs qui ont breveté justement beaucoup d'inventions que nous utilisons au quotidien. Du reste, le micro que nous parlons, on ne sait pas avec lequel nous parlons que c'est un noir qui l'a inventé, par exemple. Donc, il a fallu donc faire tout un travail donc de traduction, de biographie de ces inventeurs. Créer un site internet, puisque avant, il y a quelques années, quand on tapait inventeurs et savants noirs, il n'y avait aucune information. Et c'est vrai que pour un petit peu réhabiliter ces personnages, donc surtout concernant la partie francophone, il était vraiment intéressant de pouvoir mettre à la disposition de la diaspora, notamment, eh bien, tous ces grands personnages, tous ces héros qui se sont illustrés pour l'avancée de ce monde. Alors, quelques inventions comme ça, citées au hasard, qu'on attribue à des inventeurs. Quelques inventions, donc, par exemple, il y a le feu de circulation qui est utilisé dans le monde entier. Personne ne sait que c'est en 1923. On s'en souviendra à l'occasion des embouteillages. Exactement. Et 1923, Garrett Morgan qui a breveté cette invention, ainsi que le masque à gaz que nous utilisons aujourd'hui, qui a du reste, durant la Première Guerre mondiale, a fait gagner la guerre aux Alliés.
avec contre l'Allemagne. Donc il y a d'autres inventions telles que la télécommande par J.R. Lewis en 1937, l'ampoule électrique avec le filament à carbone qu'on a attribué l'invention à Edison qui est dans tous les programmes scolaires, alors que c'est Lewis Howard Latimer en 1881 qui a breveté cette invention. Donc aujourd'hui, si on a l'ampoule électrique, c'est grâce aussi à un Africain-Américain. C'est aussi l'occasion pour s'ouvrir les horizons. Je veux dire, parmi les invités sur le plateau, des informations qui nous sont parvenues nous étaient complètement inconnues. Ouais. Merci en tout cas, merci de continuer ce travail. Je rappelle que l'association Archives continue ce travail de conscientisation et de mise en lumière de tous ces faits occultés. Que l'on vous retrouve sur le site internet www.associationarchives.com. Louis-Y Mathieu, ancien esclave qui finit député, c'était en 1848. Georges Nicolau, spécialiste de sciences physiques et chimie nucléaire, c'était en 1953. Ou encore Gélase Ier, troisième pape africain, c'était en 492 après Jésus-Christ. Trois exemples de personnalités regroupées dans ce calendrier noir et célèbre, le cinquième de l'association Archives. Notre ambition serait de vulgariser dans tout l'arc antillais, donc francophone et même anglophone, eh bien, l'apport des personnalités qui ont aujourd'hui écrit avec leurs lettres de noblesse le pan de l'histoire pour l'évolution de l'humanité. Un travail réalisé en collaboration avec plusieurs universitaires, afro-américains notamment. Nous avons un travail, c'est vrai, qui est un peu tentaculaire, puisque nous avons quelques réseaux, un réseau en fait, établi avec des scientifiques, des personnalités, des écrivains, des anthropologues et d'autres personnages qui nous permettent en tout cas de nous mettre en valeur. Noir et célèbre propose également de courtes biographies d'hommes et femmes du monde noir, passé et présent, et des adresses pour ceux et celles qui veulent en savoir plus. Leur invention a changé le monde. Ils s'appellent Latimer, Garrett, Walker ou Carver. Ils ont inventé l'interrupteur, le feu de signalisation, la lampe électrique, le masque à gaz ou la cristallisation du sucre. Ces chercheurs sont noirs et Ivan Voice, à travers son association Archives, veut le faire savoir. Ce chanteur a trouvé là sa deuxième vocation, permettre au plus grand nombre de découvrir ces femmes et ces hommes trop longtemps restés dans l'ombre. Ce qu'ils ont fait, c'est une façon de me rendre encore plus fier que je le suis déjà. Nous restons encore en manque sur cette initiative historique-là et nous devons en fait la conquérir. Certains détails j'avais déjà appris aux États-Unis, parce que j'ai grandi là-bas, New York. Donc ces inventeurs sont déjà connus, certains. Et j'étais très contente de les retrouver aujourd'hui et de voir avec quelle détermination les faire œuvre pour la cause. Et l'échange avec d'autres associations militantes est un des moyens d'atteindre l'objectif fixé. Une communication qui passe aussi par la multiplication de supports, clips vidéo, sites internet, calendriers, t-shirts, cartes postales. Et peu importe les sacrifices pour accéder à la connaissance, pour l'association Archives, le travail de mémoire s'impose. Date correspond par exemple un événement ou des hommes actuels, modernes, mais également des hommes qui ont laissé une trace dans l'histoire. Saviez-vous que par exemple la télécommande, le réfrigérateur, le micro-ondes, la machine à laver, le taille-crayon, et oui, alors on revient dans l'univers scolaire, ben tout ça, ce sont des inventions qui ont été signées par des Noirs. Et lorsque vous avez rencontré Mme Giscard d'Estaing, qui réalise le Guinness Book, elle vous a promis de faire le nécessaire pour faire alors, entrer dans ce livre. Jusqu'à ce jour, justement, on avait, justement, lui avait indiqué le fait de pouvoir, dans son grand, dans sa grande encyclopédie des inventions mondiales, où justement il n'y a jamais eu aucun inventeur noir, donc on lui a fait savoir qu'il se serait temps de rectifier le tir. À ce jour, justement, toujours pas de personnalité noire et célèbre dans l'encyclopédie des inventions mondiales. Voilà, merci. On va terminer avec une question. C'est une goutte d'eau de plus dans l'océan de l'indifférence ou c'est une goutte d'eau qui tend à faire déborder le vase? Eh bien, tend à faire déborder le vase, puisque aujourd'hui, maintenant, grâce au support médiatique qui est non négligeable, et je remercie justement vraiment François de nous avoir invités à l'association, donc c'est sûr qu'on espère que la goutte d'eau fera déborder le vase dans le bon.
Nous qui venons, oui, chers, qu'on n'est pas d'accord. Les savants ne sont... Mais quels savants? Les savants ne sont pas d'accord avec Cheikh Anta Diop, les spécialistes. Quels spécialistes? Il y a eu l'affrontement au Caire, finalement. Vous n'avez pas lu le truc du Caire? Il y a eu le Caire à parler, non? Cheikh n'était pas... Mais comme Cheikh a gagné au Caire, bon, on dit qu'il est afrocentriste maintenant. Et ça veut dire quoi? Ça dit qu'ils sont eurocentristes contre nous et nous faisons aussi un racisme à rebours contre les Européens. Mais nous, les gens qui aiment le plus les hommes sur Terre, ce sont les Noirs. Nous aimons les Blancs, nous aimons les Jaunes, nous aimons tout le monde. Nous, on aime trop même. Oui, et on s'aime très peu soi-même, mais on aime tous les autres. On leur donne l'hospitalité, on leur donne tout ce qu'ils veulent. La mémoire, c'est comme... Écoutez, il ne faut pas me demander à moi de dire le nom de votre père, de votre mère, de vos grands-parents. C'est vous qui devez me le dire. Mais dans notre cas, vous demandez à un autre qui n'est pas de votre famille de vous dire votre mémoire, vos ancêtres, votre histoire, votre biographie existentielle et existentielle. C'est ça l'erreur que nous faisons, c'est ça l'histoire. Moi, ce n'est pas à moi de dire ton père est ceci. Mais ne me demande pas, tu connais mieux que moi. Comment veux-tu me demander? Donc, il faut que les Africains récupèrent. Mais Marcus Garvey l'a dit, il ne croit pas qu'un seul blanc puisse écrire l'histoire des Noirs avec quelque sympathie. Même la simple sympathie. Ils ne pourront pas. Mais pourquoi vous lisez le jour, mais il faut faire cette révolution, ne plus acheter leurs bouquins d'histoire sur nous. Parce que c'est nous qui achetons. Les Blancs eux-mêmes n'achètent pas ces livres. Tu as cru les Blancs, ils vont acheter les livres sur Josephine Baquet pour faire quoi? Dans leur bibliothèque, ils achètent autre chose. Ils n'achètent pas vos histoires-là, sauf quelques africanistes. Mais le gros des Blancs ne vit pas dans cette littérature. C'est quelques gens qui servent de pions, c'est tout. Donc au fond, il faut que les Noirs ne demandent pas à un autre « dis-moi qui était mon ancêtre ». Essaie de le trouver toi-même avec tes erreurs. Les Chinois ne demandent pas aux Japonais de dire l'histoire de la Chine. Les Indiens ne demandent pas aux Pakistanais de leur dire leur histoire, encore qu'ils soient en conflit. Les Français ne demandent pas aux Allemands d'écrire des livres d'histoire de la France pour les enseigner à l'école française. Les Allemands ne demandent pas aux savants français d'écrire l'histoire de l'Allemagne. Les Anglais n'attendent pas les savants hollandais ou les savants belges ou les savants français d'écrire la littérature anglaise et de l'enseigner à l'école en Angleterre. Hein? Et pourtant on enseigne ça en France. Et pourtant il y a des professeurs qui ont les doctorats dans la littérature anglaise. Mais ils enseignent en France, ils vont faire des conférences, mais on n'attend pas d'eux l'essentiel en Angleterre. Mais or nous attendons tout, absolument tout, des étrangers. Et je te querelle, toi, parce que sur ce que quelqu'un a écrit. Hein? Je te querelle. J'ai dit oui, mais tu as lu Dupont a écrit ceci. Hein? Oui, oui, tu as dit oui, la vallée aussi a écrit ceci. Et nous querelons à cause de deux écrits par des étrangers sur notre histoire à nous deux. Alors que tu as la même formation exactement, sinon plus. En plus de cela, tu as la sympathie. Mais enfin, mais comment peut-être aussi enfin? Et puis, que les autres là, de toute façon, il ne faut pas être impressionné. Il faut cesser d'être, même si on lit les livres, hein, mais bon, faisons, coupons la poire en deux, lisons leurs bouquins, tout sur l'Afrique, d'accord. Mais il faut peut-être impressionné. Tout est faux dedans, d'un bout à l'autre. Il n'y a aucune... seule vérité dans aucun livre d'aucun africaniste. Aucun. Donc, le livre là, bon, je ne veux pas les nommer, vous les connaissez, mais lisez parce qu'ils sont au programme, achetez parce que c'est l'environnement, mais je vous garantis qu'il n'y a aucune parcelle de vérité dedans. Tous les livres africanistes écrits par des africanistes français, italiens, portugais, espagnols, anglais, hollandais, c'est faux d'un bout à l'autre. C'est du mensonge. Ce sont des crétois, c'est-à-dire des menteurs qui savent qu'ils mentent, mais ils mentent quand même. C'est ça un crétois. Ils sont tous crétois. Ils mentent. C'est-il moi quelqu'un qui dit que, voilà, mais sur l'Égypte, le cas est bien précis.
sur l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, qui était africaine et nègre. Cette Égypte n'est même pas en Afrique. Elle est méditerranéenne, elle est au Proche-Orient. C'est des choses qui valent même pas un sou. Et qu'ils étaient bruns, les femmes étaient jaunes, et que les autres étaient en rouge, et que n'importe quoi. Même quand l'ADN dit ceci, même quand la biologie moléculaire dit ceci, même quand les témoignages anciens disent ceci. Voilà. Mais c'est faux d'un. Mais c'est la falsification de l'histoire. Moi, je ne sais pas pourquoi on lirait leur bouquin. Il faut le dire clairement, il n'y a aucune vérité dans les livres écrits par les Européens, par les Blancs, sur l'Afrique noire, sur les langues, les civilisations africaines. Ils inventent des familles camito-sémitiques, ça se trouve où? Des familles amito-sémitiques ou afro-asiatiques, ça se trouve, c'est du mensonge. Tout est comme ça et nous, on croit qu'ils disent la vérité. Non, c'est fini l'esclavage, c'est fini. Il ne faut pas avoir peur, ils vont vous respecter. Un type qui n'est pas confiant en lui-même, comment voulez-vous que je le respecte? Mais comment veux-tu dire, mais il flanche, il dit, oh, non, on ne peut pas respecter. On respecte un type qui est là, hein, une femme qui est là devant vous, avec son opinion, avec ses idées, capable de les défendre. Un jeune homme qui est là, avec ses idées, ce n'est pas l'arrogance, c'est eux qui sont arrogants. Nous ne sommes pas arrogants, mais nous, c'est la vérité qu'on recherche. C'est comme ça qu'il faut, ils vont vous respecter, ils vont vous appeler au dialogue, ils disent qu'on s'est trompé, etc. Mais nous ne voulons même pas les... non, cette situation doit changer. La génération là ne doit plus vivre comme ça. Il faut que la génération actuelle change ça. Hein, c'est fini. On a eu toutes les... Mais on a fait trop de compromis, ça nous a conduit à... Mais ils vous utilisent quand vous êtes jeune, vigoureux. Une fois que vous êtes vieux, vous êtes dit, ils vous abandonnent. Parlons clairement et simplement. Vous voyez le cas de Senghor, non? Senghor a tout donné à la France. Il a donné l'Europe à la France, c'est l'aliénation. Mais quand il est mort, c'est encore les Africains qui ont célébré Senghor. Les autres, non. Les autres, non, ils n'ont pas fait cas de Senghor, qui était un génie en poésie. Hein, et qui était dans leurs institutions les plus prestigieuses. Et on ne lui a pas fait cas de Senghor. C'est à quoi bon de faire des compromis dans ce cas? À quoi bon de leur plaire? Ils ne vous le rendront jamais. Il faut être soi comme ça, on discute d'égalité à égalité. C'est vous qui diffusez maintenant l'information dans le monde entier à partir de votre propre analyse et vos propres choses que personne ne peut connaître mieux que vous. Il y a tellement de choses à faire. Mais eux, ils veulent que ça soit comme eux, leur canon, leur truc. Et puis nous aussi, non, il faut briser aussi ce monopole de l'explication de soi. Nous, on ne les explique pas. Pourquoi ils veulent nous expliquer? Il faut briser ce monopole qu'ils ont, espèce de tutelle, ce que Cheikh Anta Diop appelle la tutelle intellectuelle. On a besoin d'une tutelle intellectuelle. Si Obenga te dit ça, tu dis, oh Obenga, après tout, est-ce que c'est sûr même? Bon, maintenant, un gars qui a 23 ans, parce qu'il est blanc, il te dit, tu y crois? Et moi qui suis 4 fois plus vieux que lui, je te dis, tu n'y crois pas. Et qui a plus d'expérience. C'est la tutelle. Quand ça vient d'un blanc, c'est génial. Mais quand ça vient d'un frère ou d'une sœur africaine, oh, tu sais, c'est des histoires, ça. Et c'est le besoin de tutelle intellectuelle. On ne peut pas faire la renaissance quand on a besoin, on court par quelqu'un pour demander son parapluie, alors que le gars vous méprise fondamentalement. Fondamentalement. En tout cas, son peuple vous méprise. Sa race vous méprise. Et ils l'ont montré à travers l'histoire. Alors, ce n'est pas la peine de faire amitié avec eux. Moi, je ne suis pas ami avec eux. Ils le savent. Ils me respectent, je le respecte. Et on discute. Mais être ami avec eux, non. C'est trahir l'Afrique. Mais. Ça veut dire quoi? Ami avec eux, manger, rigoler, dire, oh, ça va, commence. Mais ça veut dire quoi? Que je n'ai plus de problème, qu'ils ne m'ont plus... mis dans l'enfer dans lequel je me trouve aujourd'hui. Ces gens vous ont mis dans l'enfer. Aujourd'hui, nous sommes des malheureux, des parias. Hein? Alors que nous avons bâti l'Europe, nous avons bâti les États-Unis. Hein? Nous avons payé de notre sang cette affaire. Hein? La modernité. Qui a souffert plus que nous? Si on commence à lire quand même l'histoire, on commence à comprendre
on commence à saisir, la conscience se développe. Tu vois, ça quand même, il y a des choses. Hein? Tout le monde, le basket, les athlètes, les musiciens, les intellectuels, les hommes, les artistes, il y a quand même les techniciens africains. Il y a un grand évêque, on ne peut pas dire que c'est zéro, ce n'était pas comme ça avant. Les Africains qui résistent, qui veulent faire des compromis, perdent leur temps. Il ne faut même pas discuter avec eux. Donc on va trop loin, qu'il faut qu'on dialogue quand même, qu'il faut quand même pas condamner tout le monde. Il faut faire ceci. Oh, mais tout ça, est-ce que c'est utile même de discuter? Ça perd le temps. On ne discute pas de ces choses. Ils ne comprennent pas, ils seront isolés. D'ailleurs, leurs maîtres vont aussi les rejeter. Et ils viendront vers la fin, vers nous, vers vous. On dit, vont s'excuser, etc. On ne comprenait pas, c'est trop tard, de toute façon. Ils comprenaient. Comment veux-tu des grands garçons comme ça, hein, ou des grandes femmes comme ça, qui croient que faire plaisir à un Européen, c'est même glorieux pour eux. Hein? Oui, mais c'est simplement étrange. Parce qu'ils sont manipulés. Hein? Ils sont manipulés par certains Africains. Hein? Alors finalement, ils croient que ça c'est... Les Obenga, c'est quand même un extrémiste. Même Cheikh Anta Diop n'était pas comme ça. Bon, etc. Bon, tu vois, il est frustré. Bon, c'est un extrémiste, il est raciste de toute façon. Mais c'est vrai qu'on sent, je dirais que à partir du moment où le noir essaye de redevenir lui-même, c'est-à-dire de faire appel à son propre génie, on sent qu'il y a comme une espèce de blanc intérieur qui vient lui dire « ne fais pas ça, pourquoi tu veux ?» De toute façon, si il nous approuve, hein, tu sais, on ne manque pas, on fait ce qu'on fait là depuis. Il y a quelques années, un Espagnol que je ne connais pas, Iniesta, il est venu, on a dit qu'il écrit un livre en espagnol, « L'Égypte nègre hein, », il est bien, etc. Présence africaine, on va à la Roma à côté, on prend un pot, on mange, etc. Ah, je dis c'est très bien, c'est encourageant, etc. Mais moi, par expérience, je ne suis... Non. Si ce n'est pas tranché, je perds mon temps. C'est tranchant. Je respecte. Mais je n'avais jamais cru. Je n'avais pas cru, j'ai dit tant mieux. Ah, il fait ça, l'Égypte est nègre, hein. Je ne crois pas. Bon, le livre là, j'ai vu bien. J'ai dit, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et c'est vrai. C'est le gars qui est le plus contre les Africains aujourd'hui. Hein? Parce qu'ils voulaient peut-être m'embobiner dans leur truc là-bas à Barcelone. Moi, je tranche, je te respecte, mais fais, moi je fais. Pourquoi veux-tu que je sois sous ta tutelle? Ou tu mets quoi? Ça veut dire quoi? C'est fini. Bon, les autres font des compromis. Ils font des compromis. J'ai dit, ça va t'amener où? Ils vont te mépriser à la longue. J'ai dit, mais tu ne comprends rien. Mais il fait des compromis avec eux, il est gentil. De ceci. Avec moi, il dit, oui, c'est gars. J'ai dit, mais pourquoi tu vas même les voir? Les Angénaux, les... Pourquoi même? Mais pourquoi tu vas les voir? Hein? Alors, ils écrivent, ils ont publié des trucs, je dis. C'est compliqué. Bon, me faites, mais il faut que moi... Bon, je reste poli, mais vous savez que je ne peux pas changer. Mais je remarquais, ne serait-ce que la semaine dernière, le dédain des historiens occidentaux par une anecdote très simple. Quand on fait l'histoire de Chine, on va considérer normal de s'appuyer sur les écrits des historiens chinois. Ouais. On va faire l'histoire du Japon, on va considérer normal de s'appuyer sur les écrits des historiens japonais. Ouais. Mais quand il s'agit de faire l'histoire de l'Afrique, on trouve normal qu'aucun travail réalisé par peu importe le spécialiste africain ne soit mentionné dans l'ouvrage. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'y avait aucun Africain, même Africain de la diaspora, qui ne s'était jamais interrogé sur le passé de l'Afrique. Ouais. Et c'est ça qui montre vraiment une attitude dédaigneuse. Ouais, ouais. Parce que la science... Même quand ils étudiaient la Guadeloupe, jamais ne mentionnent Henri Bakou. Jamais. Qui a écrit au moins 2-3 volumes sur la Guadeloupe. Ils citent jamais. Bangou n'est cité dans aucun ouvrage. Non. Ça les regarde. Même ils citent un certain Prévert qui aurait étudié. Soi-disant... Le Saint-Jean-Perse, par exemple. Oui, oui. Les montagnes pelées ou des conneries comme ça. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas montagnes pelées. C'est qui ont donné le nom. Tout à fait. Il y a le vrai nom. Non, mais de toute façon, ça te montre quoi? C'est que
Il faut. On a fait la conscience, c'est la fin de l'africanisme. Point final. C'est la fin de l'Afrique. Il continue à faire, vous faites. Il faut pas. Ils ont un salaire, ils ont des missions à accomplir, ils ont des habitudes. On leur demande, le pouvoir politique leur demande de contrôler l'intelligence africaine, antillaise et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les idées? Les chamoiseaux, les créolités, ils poussent ces discours-là, ils leur donnent des sous pour faire les discours endormeurs. Tu vois, bon, ça c'est leur mission. Mais vous, vous comprenez que un autre groupe ne peut pas être contrôlé. Il faut refuser le contrôle intellectuel. Il y a l'amitié, il y a le dialogue, on discute, on respecte, mais tu n'as pas besoin de quelqu'un qui connaît moins que toi, de lui demander la bénédiction, de faire ce que tu as à faire pour toi, pour ton peuple, pour ta race, pour ta mission ici sur Terre. Nous vivons très peu de temps sur Terre. Mais on ne peut pas vivre âgé et sous la tutelle de quelqu'un. Ça, c'est vous cherchez la domination de votre propre peuple. Il faut que quelqu'un parle, qu'il y ait des gens, pas des révoltés, mais des gens dignes comme vous. C'est la dignité. Gardez votre dignité. C'est tout. Ils jugeront que c'est arrogant, c'est pédant, ils ne connaissent pas, ils sont fanatiques. D'accord. C'est votre jugement. Pour moi, c'est la dignité.